Made in Design est une société donc, que j'ai créée en 1999. Le propos de Made in Design, c'était de disturber le marché du design, puisqu'on distribue via Internet des collections design de marques premium et de grands designers. Nous avons été un acteur de la démocratisation du design en France. On a vraiment ouvert le marché, et là où on pensait que c'était un marché de niche, finalement, sans être un marché de masse, on est quand même sur un marché conséquent. On s'est positionné en fait en tant que leader, et on l'est resté 18 ans après. Mais entre temps, on est devenu aussi leader européen en ouvrant des sites dans différents pays d'Europe. Nous avons développé une activité à destination des clients B2B qui peuvent acheter en ligne, mais qui peuvent aussi avoir un service de conseil. On a encore des croissances absolument fabuleuses et étonnantes, puisque l'année dernière, nous avons fait 17% de croissance. Il s'agit là d'une rencontre entreprise, université, étudiant, dans le cadre d'un échange et d'essayer ensemble de mieux comprendre les évolutions du futur. C'est toujours aussi très rafraîchissant de sortir de son entreprise et de venir à la rencontre de jeunes étudiants. C'est un univers qui revêt une certaine complexité. Et qui est de plus en plus, qui demande de plus en plus de compétences, d'expertise, et donc on recherche de plus en plus des profils qui sont quelque part experts. Donc là, les expertises se manifestent dans le secteur de la data, du CRM, de l'expérience utilisateur, de l'UX. Mais on ne peut pas être qu'expert, et il faut aussi avoir toujours une approche globale. L'approche globale, elle vient de sa propre compréhension, mais elle vient également des échanges qu'on a avec ses confrères et ses collègues. Et je pense aujourd'hui qu'on ne peut réussir dans le digital que si on sait travailler en groupe, en équipe, réfléchir à plusieurs. Il faut savoir aussi gérer en permanence plusieurs projets en parallèle. Il faut savoir aussi décider très 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 vite, hein. Donc bien sûr il faut savoir analyser. Il faut toujours se perfectionner, il faut se documenter énormément, et en fait c'est comment on comprend tout ce qui est en train de bouger pour s'adapter, pour permettre d'adapter le business dans lequel on est au monde dans lequel on est. C'est un métier formidable et c'est un métier d'avenir. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause. Voilà, il faut se remettre en cause en permanence, et à partir du moment où on est curieux, on est créatif, qu'on se remet en cause, c'est un métier dans lequel on se fait énormément plaisir.